Bon, j'ai collé la nade étanchéité avec de la colle carrelage, j'ai utilisé un peigne avec des dents de 2,5 mm, ça suffit largement, on maroufle bien pour extraire la colle, il va y avoir des plis, c'est tout à fait normal, il faut que la natte épouse la forme du bac et du mur. Le peu de plis, on écrase au maximum, on laisse sécher, ça gênera absolument pas pour la pose du carrelage ou de la faïence. J'en ai profité pour poser le primaire en dehors de la zone de douche, sur le ragréage. Dès l'instant où tout a séché, un coup de système d'étanchéité liquide de VPI autour de la natte. Niveau étanchéité, on est tranquille. Maintenant que tout a séché, je vais vous expliquer pour le calepinage. Je vais poser le carrelage au sol, je vais faire en fonction des différents éléments. L'évacuation, le retour de cloison, la porte, au niveau du WC. Donc ça, c'est une étape qui est très importante. Prenez votre temps, posez le carrelage. Il faut tout mesurer pour pas vous retrouver avec une chute de 2 cm quelque part qui ferait vraiment très moche. Donc ça, je vais vous l'expliquer après. Je pose la spatule, je vous montre le carrelage. En sachant qu'il provient d'une GSD, ce sont les propriétaires qui l'ont choisi. Il est imitation béton, gris beige. Donc dans la salle d'eau, vous le verrez certainement encore plus beige puisque c'est une lumière plus chaude qu'ici. Il fait 47 par 47, je vais vous montrer le carton. Alors je vous l'ai dit, je sais plus, il provient d'une GSB, vous reconnaîtrez. Hop, je vous montre les différents éléments. Il y a une référence qui est ici. Et comme ça, vous avez tout. On file dans la salle d'eau, on pose le carrelage au sol et je vous explique tout. Bon, pour le calepinage, j'ai posé le laser au sol, je suis parallèle à ce panneau, je suis parallèle à ce panneau et également celui-ci, on est bon. Je me suis centré par rapport à la largeur de la douche, je veux un carreau plein face à mon évacuation. Alors ça aurait pu être un carreau de ce côté, un carreau de ce côté, le joint au milieu, mais je me retrouvais avec 4 cm à couper contre ce panneau et contre le retour de cloison, donc ça ferait pas beau. Ici j'ai 35 cm, ici j'ai 38 cm. Alors j'aurais pu aussi centrer par rapport à la longueur, mais je me retrouvais avec 3 cm le long de ce panneau. Donc autant décaler tout le carrelage, 35 cm, 38 cm, on ne verra pas la différence. Et au moins, ici, je tombe en carreau plein, c'est bien plus joli. Là j'ai une chute, mais quasi pleine, je tombe en carreau plein à chaque fois. Ici pareil. Carreau quasi plein et ça va être sous le meuble, ça ne se verra pas. La porte, le joint tombe pile au milieu, donc on est bon, on finit en carreau plein. J'ai tracé au marqueur les pentes pour qu'on puisse mieux les voir. Ce carreau, par exemple, il va être coupé de ce trait à ce trait, de ce trait à ce trait. Ça va faire donc les formes du bac. Celui-ci va faire ce format et le carreau, hop, va faire ce format. Donc on découpe, je vais m'aider du laser, là j'avais juste tracé au marqueur pour que vous puissiez mieux voir les pentes, mais je vais poser le laser pour que ça file de l'évacuation jusqu'à l'angle et de l'évacuation jusqu'à l'angle. Je pose les carreaux, je trace, on découpe, on repositionne pour voir ce que ça donne et ensuite on colle le tout. Mais bon, je me répète encore une fois, le calepinage c'est très important. Si vous voyez que vous ne tombez pas bien par rapport à un mur, à un angle ou je ne sais trop quoi, un retour de cloison, recalculer en repartant de votre porte, d'un autre mur pour voir comment vous tombez. Il y a moyen de tricher, de faire quelque chose d'esthétique.
Bon allez, je vous montre le montage à blanc, ce que ça donne. Toutes les coupes sont faites, alors rien d'extraordinaire. On pose le carrelage, on set du laser pour suivre les pentes. On fait des repères sur le carrelage et ensuite on le découpe. J'enlève tout, je nettoie, on prépare la colle carrelage et on le pose définitivement. Sur les deux carreaux que vous voyez là, qui sont entiers, il y a une, deux, trois coupes. Puisqu'ici, j'arrive à plat, ensuite on a notre pente, donc il faut couper le carrelage en fonction des pentes. Et j'ai aussi la solution d'enlever ces deux coupes, de prendre des carreaux pleins, de les ramener contre le bac. Donc j'ai deux solutions, soit je laisse comme ça, soit je ramène des carreaux pleins contre le bac. Mais ça va me décaler mon joint qui est centré par rapport à la porte, alors il n'y a pas grand chose. Je me laisse un peu le temps de la réflexion, je vais voir selon mon humeur, soit je le pose comme ça, soit je ramène les carreaux pleins. On verra ça tout à l'heure. Bon, maintenant que vous savez tout pour le calepinage, je vais vous montrer les différents outils et accessoires qu'on veut utiliser pour la pose du carrelage. Tout à l'heure, je prendrai la caméra et je vous filmerai le sac de colle. On va utiliser un peigne à colle, c'est un Sidamo, il est en inox. Moi, j'aime quand les outils restent propres. L'avantage de l'inox, c'est que ça rouille pas et ça se nettoie très facilement. Le récupérateur de poussière de Colomix, le Dustex. À chaque fois, je vous le montre en vidéo, mais c'est indispensable pour bosser dans un univers sain et propre. On le branche à l'aspirateur, on le pose sur le seau et ça récupère toutes les poussières. Vous avez le lien dans la description. J'essaierai avec Colomix de refaire un jeu concours parce que ça, honnêtement, ça mérite vraiment d'être connu. C'est indispensable. Le malaxeur, le Colomix, le XO10NC, il fonctionne sur batterie, 5,2 ampères, 18 volts. C'est surpuissant comme machine, vous malaxez un sac, deux sacs, cinq sacs, ça a toujours autant de patates. Et on va tester une nouvelle turbine, c'est celle-ci. Vous voyez, elle a une forme particulière. La référence est ici, vous avez le lien dans la description, elle est faite pour les mortiers-colles. Je vous dirai ce que j'en pense, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Les croisillons, alors dans la zone de douche, il y a de fortes chances pour que j'utilise les Raymond 10 doubles. Celui-ci fait 2 mm et 5 mm, les grilles font 1 mm et 3 mm, ils sont réversibles. Alors pourquoi dans la zone de douche les Raymond 10 doubles? Parce que je pense que comme j'ai beaucoup de pente, le système autonivelant risque de me gêner. Donc le système autonivelant, on va l'utiliser en dehors de la zone de douche, parce que je suis à plat. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle, ceux qui ne connaissent pas, il prend le carrelage en étau, avec la pince, on vient serrer et ça met le carrelage à fleur. Donc ça existe dans différentes marques, ce modèle c'est le Perfect Level, ça existe chez Sidamo, ça existe dans plein de marques, ça existe même à visser. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Moi j'aime bien le système avec pince, j'ai toujours utilisé, donc peut-être qu'un jour j'essaierai un autre système, mais pour l'instant ça me convient. Donc en dehors de la zone de douche, ce système, et dans la douche, je vous dis, si ça passe pas, on mettra le système Raymond 10 double. Vous savez tout, on prépare la colle, je vous filme le sac, et ensuite, on colle le carrelage. Donc pour la colle carrelage, toujours VPI, c'est la V411 Coliflex Premium 2 en blanc, c'est une colle déformable. Sol chauffant et façade, vous avez quelques informations que je vous filme, jusqu'au 1 m par 70, 5 à 6 m carrés par sac. Donc on va l'utiliser pour le sol et pour la faïence, ce sera de la colle en pâte que je vous montrerai plus tard.
Bon, avant de continuer, je vous filme le bac. Tout est collé, vous m'avez vu faire. Il faut être le plus minutieux possible. Bien nettoyer les joints, les gratter avec une lame de cutter ou une spatule. On enlève un maximum de colle dans les joints. Un coup d'éponge sur le carrelage. On ne laisse pas la colle sécher. Au niveau du bloc d'évacuation, j'ai rajouté le profilé en inox qui s'intercale entre le bloc d'évacuation et le carrelage. C'est vendu avec le bâti support Geberit. J'ai positionné les croisillons auto-nivelants. On va carreler cette zone et on va se reprendre avec les cales pour être de niveau par rapport à ces deux carreaux.
Bon, de retour sur le chantier 24 heures après, la colle a séché, je vais pouvoir casser les croisillons et tout vous refilmer. J'ai sorti la turbine, elle est toute propre, elle fonctionne parfaitement, aucun grumeau. En même temps, j'utilisais une super colle. La VPI Coliflex Premium 2, c'est plus de la colle, c'est de la crème, ça s'étale tout seul. Si vous êtes intéressé par les produits VPI, dans la description de la vidéo, je vous ai mis la page Instagram de Lucas, société VPI. Vous le contactez, il sera un plaisir de vous répondre. Pour couper le carrelage, on a utilisé la DeWalt, la référence est la D24000, vous avez le lien dans la description. Je ne vais pas vous en reparler pendant 20 minutes, tout est dédié sur YouTube. Laurent Jacquet a fait une vidéo dédiée à cette machine, je vous mettrai le lien également. Donc elle fait 1600 watts, lame de 250, ça plonge, chariot coulissant, tout est démontable, les plastiques, on passe tout au jet d'eau, elle est nickel. Donc elle se démonte entièrement, il ne reste plus que le corps de la machine, ça fait une trentaine de kilos, ça se transporte très facilement. En sachant que la lame d'origine, je ne l'ai pas posée, j'ai mis celle-ci, je m'en étais déjà servi sur une autre machine, ça fait des super coupes. La lame d'origine fonctionne très bien, mais alors celle-ci, c'est juste que du bonheur. On file dans la salle d'eau, on casse les croisillons, je vous fais une vue d'ensemble et on se retrouve prochainement pour la faïence.